deux ou trois trucs que j'aimerais comprendre. Partager. Partager le live. J'ai juste deux ou trois questions à poser. Hein. Vous qui fêtez l'unité nationale, là. J'ai deux ou trois questions à vous poser. J'ai reçu des messages. Bonne fête de l'unité nationale. Vous avez la mémoire courte. Hein? Peut-être même pas de mémoire parce que je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Partagez. Partagez que je vous pose ma question. Soit nous avons une mémoire très courte, soit nous faisons exprès, soit nous nous moquons de nous-mêmes, en fait. Excusez-moi, hein, pour ceux qui se plaignent en inbox, « Oh, Cathy, on te voit plus, tu fais plus de live, machin. » Les gars, I talk too much. J'ai trop parlé, en fait. En fait, j'ai tout dit ce que j'avais à dire et je me suis rendu compte que ça ne m'avait servi à rien. Du coup, je ne vais pas passer toute ma vie à parler aux gens qui n'écoutent pas. Aux gens que, qui font semblant en tout, en fait. Ils font semblant en tout. Je vais m'asseoir là 2 heures de temps, 3 heures de temps à bavarder avec vous. Et pourtant, je serai en train de faire beaucoup d'autres choses. Et beaucoup de gens pensent que c'est de l'amusement. Beaucoup de gens pensent que si tu es là, si tu consacres 2 heures de ton temps à eux, c'est que tu n'as rien à faire de ta putain de vie. Et pourtant, parfois, quand tu t'assois là pour bavader avec eux, pour essayer d'échanger avec eux les idées, c'est parce que tu te dis non. On dit souvent, chez nous, au Cameroun, en Afrique en général, une seule main ne peut pas attacher un paquet. En fait, on se dit qu'on peut comprendre cela, mais ça, c'est comme si ça passe dans les oreilles de sourds. Et je vais vous dire quelque chose à partir d'aujourd'hui. Retenez que ce n'est que les Camerounais qui peuvent se libérer. Camerounais, la diaspora a fait sa part. Tant que tu ne fais pas ta part, tu ne pourras pas te libérer. Ceux qui ont fait font et on voit. Nos frères sont en prison. Nos frères sont en prison parce qu'ils se sont levés, ils étaient seuls. S'ils étaient avec vous, qui restait silencieux tous les jours pour que le Cameroun meure, pour que nos frères soient tués dans le nozo. Si vous étiez avec eux, on ne les aurait pas attrapés. Et depuis qu'on les a attrapés, vous ne vous gênez pas. Leur situation ne vous gêne pas. Parce que quand une situation gêne quelqu'un, quand quelqu'un est mal à l'aise par rapport à une situation, il manifeste et on voit. Vous n'êtes pas mal à l'aise par rapport aux punissants, tous ceux qui sont en prison là. Voilà Paul Souta qui est sorti l'autre jour. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Rien. Jusqu'aujourd'hui, aucune marge. En dehors de la diaspora qui bavarde tous les jours. Oh, Paul Souta, injustement dedans, tout ça là. Vous êtes calme. Vous êtes calme. Les boubounissants sont là dedans. Vous êtes calme. Tous ceux qui sont restés là dedans, vos frères qui sont sortis, ils ont massé. Vous êtes là calme. Vous êtes là calme. Et je vous ai toujours dit. Ce n'est pas l'eau qu'ils boivent, c'est tout la même eau là qu'ils boivent. Ce n'est pas l'eau ni la nourriture ni quoi dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'être libres, ces garçons. Parce que vous allez les laisser garder là-bas. Oh, peut-être c'est eux-mêmes qui devaient être ceux-là qui devaient libérer le Cameroun. Et tant qu'ils sont là-bas, rien ne sera fait. Est-ce que vous restez souvent? Salut Déborah, salut à vous tous qui êtes là. Salut Samuel, Napoléon, salut. Est-ce que vous imaginez un seul instant que ces gars-là qui sont enfermés peuvent être les seuls courageux? D'ailleurs, c'est eux qui sont sortis, on a vu. Vous imaginez un seul instant que ce soit eux les seuls courageux du Cameroun et qu'on les garde là-bas et vous êtes tranquille quand même. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est crier quand on les prend. C'est sortir quand on les prend pour dire « Libérez nos libérateurs, en fait. » Vous comprenez un peu ce que je dis? La seule chose que vous avez à faire, que le Cameroun, je pense que le peuple camerounais pouvait faire aujourd'hui, c'est dire libérer nos libérateurs. Afin qu'ils sortent marcher pour nous comme ils ont le courage de marcher. Mais vous les gardez dans la situation là, en fait. Vous les gardez dans cette situation, vous êtes tranquille, vous vivez vos vies et vous fêtez l'unité nationale. Really? Camerounian, vous fêtez l'unité nationale?
Je me demande si vous savez ce que vous voulez. J'ai même vu sur le mur de certains soi-disant combattants, bonne fête de l'unité nationale, really? Avec ce qui se passe dans le Nozo, vous souhaitez bonne fête de l'unité nationale à qui, Camerounais? Avec ce qui se passe, avec le tribalisme et tout ce qui se passe au Cameroun. En mode vision, le tribalisme à vue d'œil. C'est-à-dire que quand ça soit sur la toile, ils diront, oh les Bamilékés, vous êtes les peuples les plus ceci. Oh les étangs, vous êtes comme ça, et vous fêtez l'unité nationale. Camerounais, tu fêtes l'unité nationale? De quelle unité nationale? Je me demandais, peut-être vous buvez trop vos histoires de Castel là. Comme on a dit qu'on a mis des trucs dedans pour vous aliéner là. Apparemment, vous en buvez toujours un peu trop. Hein? Vous fêtez l'unité nationale camerounaise. Vous souhaitez bonne fête de l'unité nationale à moi, Cathy? Non. Je ne fais pas cette connerie. Parce que nous ne vivons pas unis, Camerounais. Jusqu'à preuve de contraire, nous ne vivons pas unis. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est pour ça que depuis un certain temps, je me dis, c'est comme si on parle, ça passe, c'est dans les oreilles de sourds que ça passe en fait. Parce que vous fêtez l'unité nationale. Hein? Vous fêtez l'unité nationale. C'est-à-dire, je veux comprendre. I need to understand. Depuis le matin, je me lève, je vois sur les statues des gens, oh, bonne fête de l'unité nationale, on est allé chercher les couleurs, faire les dessins, montrer. Really? Really? Non, je veux comprendre. Ça ne me soit pas le mal d'estomac. En fait, quand je reste comme ça, je commence à penser aux histoires, des choses qui se passent chez moi. Ça me donne le mal d'estomac. En fait, mon estomac tourne. Non, dites-moi, je veux bien comprendre. Vous fêtez, vous me souhaitez bonne fête de l'unité nationale à moi, Cathy. Je dis non. D'ailleurs, j'ai répondu à tous ceux qui m'ont souhaité cela. Je ne suis pas par rapport à ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, comme les soins et le savon pour le Covid. Ça ne m'intéresse pas vos souhaits de bonne fête de l'unité nationale. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vous comprenez? Il a fallu que je m'asseye. Parce que vous n'êtes pas différent de ceux-là qui ont quand même le courage de me dire souvent que Cathy, parce que j'ai dénoncé quelque chose qui se passe au Cameroun. On dit Cathy, tu es toujours en train de dénigrer notre pays. Vous n'êtes pas différent de ces gens-là. Si vous me souhaitez bonne fête de l'unité nationale aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas différent de ceux-là qui me disent tout le temps que tu dénigres le Cameroun. Parce que vous êtes en train de trouver que le Cameroun va bien au point où on peut faire une fête de l'unité nationale. Really? Au point où on peut faire une fête de l'unité nationale, mais quand même. Really? En passant, j'ai même vu quelqu'un m'a envoyé une image, une photo comme quoi. Regarde-moi quelqu'un qui fait un dépassement, même sans clignoter. Ça, c'est même les qui, ça, même, non? C'est-à-dire, quelqu'un, j'ai reçu la photo, on me dit que voilà ton ministre qui est allé à la fête avec sa chaise. Non, ne me souhaitez pas de bonne fête, pardon, il ne faut pas me provoquer. Je m'adresse à Aimé, Aimé Songa. Ne me souhaite pas bonne fête, je ne suis pas en fête nulle part. Regarde, voici mon tricot. I am Black History. Je ne gère pas ces conneries-là. Je pense que mon combat est un peu plus haut que ce que tu penses là. La fête, je ne fête rien. Vous fêtez quoi? Vous fêtez quoi? Voici une fête de l'unité nationale. Quel est le thème? Aimé Songa. C'est Songa. Excuse-moi hein, si je suis en train de conduire là. C'est Omega. Je viens de lire là. Tu es en train de fêter la fête de l'unité nationale. Quel est le thème? Je pense que le seul thème qui puisse exister, si on veut même soi-disant fêter une fête de l'unité nationale au Cameroun, c'est la paix dans le Nozo. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont écrire, mais est-ce le cas? Est-ce le cas? Vos frères meurent dans le Nozo. Que ce soit du côté de l'armée ou du côté de la population du Nozo, vos frères meurent. Mais vous fêtez l'unité nationale. Really? Really? Vous êtes comment? Ouvrez vos cerveaux. Ouvrez vos cerveaux. Regardez la vérité devant vous. On envoie vos frères, vos enfants. Hein? On envoie vos frères, vos enfants dans le Nozo s'entretuer. Un de l'armée, c'est vos frères. Ceux qui vivent au Nozo, c'est vos cousins, vos frères. Ils disent qu'on fait l'unité nationale. Jusqu'à vous me souhaitez bonne fête de l'unité nationale. Quelle fête de l'unité nationale? Je ne prends pas et je ne prendrai jamais cela. Vous comprenez? Je ne prendrai jamais cela jusqu'à ce que ce pays-là devienne un pays nouveau. Jusqu'à ce que le Cameroun soit un Cameroun nouveau, je ne fêterai jamais l'unité nationale. Plus jamais. Arrêtez! Arrêtez de vivre, je ne sais pas, c'est l'ignorance.
C'est l'ignorance. Mais ouvrez vos cerveaux. Si c'est l'ignorance, réveillez-vous. Réveillez-vous, grandissez, mes frères. On ne fait pas l'unité nationale quand dans le nous, les âmes crépitent. Les bombes artisanales sont enterrées partout par nos frères qui veulent se protéger de l'armée de leur pays. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites même? Vous cherchez quoi même? Vous cherchez quoi? Vous fêtez quoi, Camerounais? Vous fêtez quoi? L'unité, quelle est l'unité nationale de quoi? Mais dites-moi un peu. Vous fêtez l'unité nationale de quoi? Hein? Vous êtes unis, n'est-ce pas? Vous êtes bien, vous êtes tellement unis. Vous fêtez la fête de l'unité nationale. Really? Really? Are you kidding me? Hein? Vous fêtez la fête de l'unité nationale. Really? De quelle unité nationale parlez-vous? Mais dites-moi un peu. De quelle unité nationale parlez-vous? Il y a l'unité au Cameroun. Au point où vous fêtez quand même. Quel est le thème, mes frères? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le thème? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La guerre dans le Nosolet est finie. Hein, Camerounais? Dites-moi aussi, non? La guerre dans le Nosolet est finie. Vos frères dorment en paix. Vous-même, dans vos quartiers, vous dormez en paix. L'unité nationale. Vous savez ce qu'on appelle l'unité? Vous savez ce qu'on appelle l'unité? Non, j'aimerais comprendre. Vous savez ce qu'on appelle l'unité? Vous fêtez la fête de l'unité nationale au point où les gens se lèvent à 6h le matin. Ils m'envoient les trucs. Bonne fête de l'unité nationale. Really? Moi, je fais l'unité nationale. Avec mes frères en Bastillé. Avec mes frères dans le Nozo. En train de se faire exploser. Que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté de la population du Nozo, ce sont nos frères qui s'entretuent. Et vous fêtez l'unité nationale? Vous fêtez l'unité nationale? Hein, Camerounais? Vous fêtez l'unité nationale? Hey, Seigneur! Chers combattants, chers frères combattants camerounais, si tu as publié ce matin sur ton mur « Bonne fête de l'unité nationale », bon, va enlever ça. Parce que c'est comme si j'ai comme l'impression que tu ne sais pas ce que, pourquoi tu combats. Ou bien on n'a pas les mêmes combats. Là, je comprends. Je comprends. Car à un certain niveau, on se retrouve même avec la traîtrise et tout, les trahisons. Hein? Parce que si tu es un combattant et que ce matin, tu as mis sur ton mur « Bonne fête de l'unité nationale », c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Ce que tu ne sais pas, ce que tu fais, tu ne sais pas, tu ne connais même pas quel est le sens de ta vie. Parce que si tu es Camerounais, un vrai Camerounais qui connaît le Cameroun et ses problèmes, tu ne dois pas souhaiter bonne fête de l'unité nationale. Le 20 mai 2021, avec tes frères qui explosent jusqu'à leur chair sont en morceaux dans le nozo. Vos enfants tués every day. Vos mamans, vos frères et sœurs, cousins, oncles, vous les perdez every day. Et vous fêtez l'unité nationale? Vous criez tribalisme, oh tribalisme, oh tribalisme. On voit les gens assis sur des chaînes YouTube, sur des chaînes Facebook, partout dans les réseaux sociaux en train de parler, d'ancrer le tribalisme dans le sang des gens. Ils injectent ça aux gens comme les vaccins là qu'on fait dehors. Parce que quand quelqu'un s'assoit, il fait un live Facebook pour dire Bamileke, ouais, quand vous avez fait ceci, vous avez fait cela, c'est pour injecter ça dans les gens comme le vaccin. Vous savez bien que vos messages jouent sur le mental du pauvre peuple camerounais ignorant. Mais vous le faites quand même. Vous le faites et aujourd'hui, vous souhaitez bonne fête de l'unité nationale. C'est-à-dire que tu sois Bamileke, que tu sois Etang, que tu sois doux. Si aujourd'hui sur ton mur, tu as écrit « Bonne fête de l'unité nationale, cher combattant », tu ne sais pas pourquoi tu combats. Laisse tomber. Laisse tomber. Pas pour dire que on ne doit pas faire l'unité nationale, mais pour dire que tu ne sais pas pourquoi tu combats, parce que c'est vous qui dites que vous combattez contre le tribalisme au Cameroun. C'est vous. Et vous êtes les premiers à savoir que ça ne va pas au Cameroun. Et vous êtes les premiers à souhaiter bonne fête de l'unité nationale, sachant que rien n'a été fait jusqu'ici pour unir ce peuple. Nothing was done. Rien n'a été fait pour unir ce peuple. Au contraire. Bien au contraire.
frères et sœurs. Rien n'a été fait. Rien. Vous comprenez? Rien. Nothing was done. Vous voulez que je m'asseye, je prenne le temps de vous écouter. Chaque jour, je me dis non, j'ai une heure de temps pour écouter le live de telle personne, suivre ce qu'il a dit, pour comprendre à quel niveau situe le combat. Pour que vous venez aujourd'hui, allez voir ce qui se passe au Nozo aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, ce qui se passe sur la toile, avec des gens qui viennent s'asseoir. Ils mettent leur caméra en marche, ils commencent à dire, oh Bamileke, peuple le plus mauvais, maudit de la terre, oh et quand les Soula, oh machin. Et vous fêtez l'unité nationale. Vous allez me rendre folle un jour. Hein? Et je pense que ça ne va pas arriver. C'est pour ça que depuis un certain temps là, j'essaie de me. Comme votre. Vous avez vu comment le poste que votre fille a fait, non? Vous avez vu son poste, j'ai publié ça sur mon mur. Moi, j'essaie de me mettre un peu dans sa position depuis un certain temps. C'est pas dans sa position pour dire que je vais faire comme elle. Non, non, non. J'essaie de me reculer pour observer un peu jusqu'où vous pouvez arriver. Parce que j'ai comme l'impression que quand on parle, on trie des gens qu'on peut écouter en fait. Ou bien quand ils t'écoutent et que ça ne va pas dans le sens de leur méchanceté qu'ils viennent amener dans ce combat, ou bien de leur sournoisie et tout. Ils essaient d'ignorer, de faire comme si jamais ils n'avaient compris un truc. Bien, je ne sais pas trop. Je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue. Ma grande Micheline, je suis perdue. Je suis perdue. They don't care why they are crying. If they don't care why they are crying, why they are complaining? Ils se plaignent. On n'a pas d'eau. Oh, la lumière. Oh, tu appelles tous les jours. Si tu appelles quelqu'un, oh, c'est chaud. Tu sais que le pays, c'est chaud, non? C'est chaud sur moi, non? Mais vous êtes là, vous. On veut faire pour vous, c'est vous qui nous détruisez. Vous voulez nous détruire? Je peux comprendre. They don't care. That is true. Because je me rappelle, je ne peux pas compter le nombre de gens qui, du jour au lendemain, j'étais obligé de les bloquer partout parce que quelqu'un t'appelle tous les jours. Oh, Cathy, vraiment, c'est chaud. Toi, tu es là. Tu gères comme tu gères là. Depuis avec la crise et tout. Tu dis, voilà, prends un peu. Tu essaies de faire ce que tu voulais faire avec. Un jour, le gars regarde un poste que tu as fait pour dénoncer un truc sur ton statut. Il vient prendre le courage de te dire, pourquoi tu dénigres toujours le Cameroun? Donc, le Cameroun est tellement beau. Même le pays le plus beau, même aux États-Unis, les gens dénigrent. Quand ça ne va pas, on dit non. Ici, là, ça ne va pas. Ce n'est pas pour autant qu'on n'aime pas son pays. C'est par amour. On dit, qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Si tu as un enfant que tu veux qu'il réussisse, tu dois être strict envers lui. Sinon, tu vas confirmer. They live in their perfect life. Of, ok, si c'est que c'est leur vie de rêve qu'ils vivent au Cameroun, mais qui t'arrête de se plaindre? Mais attendez, comme ça on va pour vivre aussi tranquille. On va aussi comprendre qu'ok, on n'a plus de charges, on ne les gère plus. Eux, ils vivent bien. Parce que c'est quand ils se plaignent que ça nous dérange. C'est quand ils se plaignent que ça nous dérange. Ça, c'est quand même. Vous allez quand même un peu trop loin, hein, Camerounais. Vous allez un peu très loin. Moi, je suis un peu. En fait, je dis souvent depuis un certain temps, je suis fatiguée. I'm tired. Parce que quelqu'un ne peut pas te dire, je suis en train de me noyer. Me voici dans l'eau. Je suis dans l'eau. Je me noie. Cathy, sauve-moi. Tu envoies la main. Et il te fait maintenant savoir que non, où il se noie là, il est à l'aise dedans. Il t'appelait donc pourquoi? Non, c'est quand même vrai ce que tu dis, ma grande Micheline. Parce que quand tu parles là, c'est là que je comprends que oui, c'est vrai en fait. Avec ce que qui se passe là, que les gens te souhaitent bonne fête de l'unité nationale, tu te rends compte qu'ils n'ont pas de problème. Non, ils vivent en parfaite paix. Ils vivent une vie, leur vie parfaite comme tu dis. Hein? Ma mère demande à la famille de t'envoyer une vidéo. Ils te disent qu'on ne vous gère pas. Et en tout cas, hein, qu'ils vivent leur parfaite vie. Qu'ils fêtent leur fête de l'unité nationale. Mais je pense que jusqu'à ce peuple, jusqu'à ce que ce peuple, je ne sais pas. Parfois, je reste comme ça, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce peuple se réveille? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce peuple se réveille? Qu'est-ce qu'on peut faire? Camerounais, vous êtes à l'aise quand vous vivez dans les situations dans lesquelles vous vivez?
La misère des quartiers qui puent. Vous êtes fiers dans les conditions dans lesquelles vous vivez. Une petite goutte de pluie, tout Yaoundé est dans l'eau. Vous êtes fiers? Mais attendez, oui, parce qu'en même temps, on va vous montrer des gens qui sont dans les grands bureaux en train de se filmer avec les grands ministres. Pour eux, ils ont atteint l'apogée de leur vie. Qui leur dit que se filmer avec un ministre n'est pas un privilège? C'est-à-dire, même si tu es allé rencontrer un ministre pour quoi ou quoi que ce soit, ce n'est pas que tu as gagné tout. Tu n'as rien fait de ta putain de vie. Quand tu te filmes avec lui, là, ta vie change en quoi? Tu as sa connaissance et puis ta vie change en quoi? Ces gens ont besoin de vous pour marcher, pour vous mettre comme des escaliers et continuer leur vie à faire ce qu'ils font, piller et faire tout ce qu'ils font. On te voit, toi, un petit jeune qui essaie de te battre pour t'en sortir dans ton quotidien. Tu cours pour aller te filmer avec un ministre dans son bureau et tu penses que tu es arrivé. Really? Bon, peut-être qu'ils te donnent les miettes, ils te font lécher leurs orteils pour te donner un peu de miettes. Mais est-ce que ça, c'est la vie que toi, tu mérites en tant que garçon, en tant qu'homme qui se construit? Tu lèches les pieds, qui léchera ta part? Est-ce une vie, ça? C'est une fierté? D'être en train de lécher les pieds de quelqu'un pour survivre? Camerounais, il faut que j'aille travailler. Je vais vous dire quelque chose. Ne me souhaitez pas bonne fête de l'unité nationale. Tant que ce pays n'a pas changé, n'est pas stable. Ne me souhaitez plus jamais bonne fête de quoi que ce soit. Et là, je ne suis pas en train de blaguer là-dessus. Parce que quelqu'un m'envoie encore un truc comme ça là-bas, je te bloque en fait, dans tous les cas. Et ne vous gênez pas. En faux profil, je vous repère. Parce que je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai vécu 4 ans de ma vie comme ça avec un homme qui était causé avec moi en faux profil. On est à la maison, en couple marié, et il a un faux profil avec lequel il cause avec moi. Je connais. Et je suis là, je joue le jeu. Vous comprenez? Donc, pour ces histoires-là, je connais déjà très bien. Je vous bloque, vous venez à un faux profil, je vous repère. Donc, faites très attention. Camerounais, réveillez-vous. Arrêtez de fêter la fête de l'unité nationale, la fête de ceci, la fête. Vous n'avez zéro fête à fêter. Il y a zéro unité nationale au Cameroun. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Guerre tribale, guerre dans le Nozo. Guerre dans le nord là-bas avec Boko Haram. Vous n'avez aucune paix, mes frères. Vous fêtez quoi? Vous fêtez quoi? Vous fêtez quoi, Camerounais? Vous fêtez quoi? Vous n'avez pas honte? Quand vous faites comme ça, vos enfants là vous regardent comment? Ils vont vous respecter comment? Moi, un enfant, ma mère sont aujourd'hui que je m'avais fêté la veille de l'unité nationale. Attends, je vais la regarder comme ça. Elle va me rentrer me parler. Ça ne pourra plus passer. Cinq conflits, maman, comme tu dis, cinq conflits. Le pays est en guerre, oh. Le pays est en guerre, vous fêtez l'unité nationale, Camerounais. Vous fêtez l'unité nationale. Mais quand même, hein, j'ai envie de comprendre. Je fais une étude pour comprendre la mentalité. Mais je vais vous dire quelque chose, Camerounais. Il y a quelque chose qui plane sur nous, c'est la malédiction. La malédiction de nos pères martyrs, morts pour nous libérer, pour nous sauver. Que nous avons abandonné. La mémoire de ceux qui sont morts martyrs pour nous. Marche, ça court chez nous dans nos têtes. Le sang versé de nos frères du Nozo de partout dans le Cameroun. Mort injustement pour nos causes. Tourne dans nos têtes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est vous qui allez rendre justice. Pour ces enfants morts dans le Nozo, pour nos parents morts dans le Nozo, c'est vous, vous et vous. La France ne vous fera rien de bon. Si ce n'est que vous amenez à vous entretenir de Taipi, vos richesses, rien d'autre. Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Tchad est debout, le Mali est debout, le Sénégal s'est levé. Camerounais, ne sois pas dernier de la classe. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous avons des grands-parents qui, déjà à l'âge de 70 ans, 75 ans, n'ont plus la mémoire sur place. Un vieux père de quel âge a-t-il là? Il gouverne un pays. Point d'interrogation. Posez-vous la question, Camerounais. Qui vous gouverne? Un papy atteint d'Alzheimer. Il vous gouverne.
Oh oui, c'est lui qui vous gouverne. Il trouve un moyen de gérer avec les brasseries pour vous mettre dans l'aliénation totale. Vous endormez le cerveau avec l'alcool et vous êtes content. Un Camerounais qui a reçu sa vie, c'est celui-là qui, par jour, avant de dormir, a au moins ses deux bières à boire. Et moi, je me pose la question, est-ce l'espoir d'une vie? Moi, mon espoir est que, en une semaine, j'ai au moins travaillé 5 000 $. Mon espoir que je vais réaliser au moins. Vous, votre rêve, c'est d'avoir deux bières. Camerounais, réveillez-vous. Wake up. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Camerounais, réveillez-vous. Allumez vos cerveaux. Dieu met la pluie en plein Yaoundé. En plein Yaoundé, on vous mouille le lit. Levez-vous. Vous n'arrivez pas à vous lever. Camerounais, à chaque fois que l'opportunité vous a été donnée, vos lits mouillés, jusqu'à vos lits mouillés, dans les quartiers que tu n'arrives pas à comprendre comment l'inondation a fait pour arriver. Il est vrai que c'est parce qu'il n'y a pas de caniveau. Mais une raison pour laquelle tu dis, puisque je suis debout, je ne peux pas dormir sur mon matelas cette nuit, je dois sortir demain marcher. Toute la journée, on doit s'asseoir à la pause centrale. Vous ne sortez pas. Qui fera pour vous? Moi, Cathy. Moi, Cathy. La diaspora française. La diaspora allemande. Non. Ils n'ont pas de problème où ils sont. C'est vous qui avez les problèmes où vous êtes au Cameroun. Nous, on se soucie de vous. Parce qu'on aimerait que nous ne sommes pas des égoïstes, des égocentriques. On veut que vous soyez heureux comme nous, nous sommes heureux où nous nous trouvons. Mais vous trouvez que c'est parce qu'on n'a rien à faire de nos putains de vie. Parce qu'on n'a rien à faire de nos putains de vie. Mes chers frères et sœurs, si vous ne vous rejoignez pas aujourd'hui au Nozo pour libérer votre pays, la plaie de votre silence et de vos inactions seront tellement profondes qu'à un certain moment, on va vous amputer les membres. Do you understand me? C'est-à-dire, plus vous êtes silencieux aux injustices, face aux injustices que vous vivez, plus la plaie de ces injustices entre en vous, et à un certain moment, on ne pourra pas vous soigner. On ne pourra pas soigner ces blessures. On sera obligé d'amputer vos membres. Et c'est là peut-être que vous comprendrez. Mais hélas, il sera trop tard. On va vous amputer les membres. On va vous amputer les membres. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur que Napoléon est où? Ils ont peur que nos frères sont où? Paul Souta est resté où? Bibou Nissan est où? Ils ont peur. Le professeur Kamto, que tout le monde a vu, était où? Pendant plus de 8 mois. Ils ont peur. Ils ont peur. Ok, restez donc dans la peur et mourrez. Restez donc dans la peur, buvez vos bières. Quand votre jour arrive, on creuse 2 mètres sous terre, on vous met. Ok, restez donc dans la peur. Mais je ne pense pas que ce soit la solution. Parce que vous mettez au monde des enfants. Et j'aimerais que vous ayez au moins pitié de ces enfants-là. Ayez pitié de ces enfants. Je comprends la raison pour laquelle quand le professeur Kanto a dit, chers parents, sortons pour aller nous battre, allons nous battre pour nos enfants. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ça veut dire qu'ils sont méchants. Enfants, vos parents sont méchants. Il faut qu'on vous dise la vérité. Un parent qui met au monde un enfant et qui n'est pas prêt à tout pour cet enfant. Quand il dit prêt à tout dans un pays où on n'a pas l'eau à boire en 2021, imaginez-vous en 2025, vous allez boire la boue. Parce que déjà, le petit eau qui sort d'avoir robinet là vous empote et les typhoïdes et tout. Ma grande Micheline, il faut le dire. Ailleurs, là même en France, les Français, là, dites-leur que les typhoïdes qu'on suit partout au Cameroun, pas lui plus là, on appelle ça les maladies tropicales d'Afrique. Il faut leur dire. Dites-leur cela. Et que quand nous on est sur la toile aujourd'hui, c'est pourquoi on ne leur donne pas les moustiquaires comme moyen de prévention du palu, mais qu'on les construise des routes avec des caniveaux, qu'il n'y ait plus de rétention d'eau. C'est comme ça qu'on prévient quelque chose. C'est comme ça qu'on prévient quelque chose. Parce qu'on va vous donner les moustiquaires, tant qu'il y a les rétentions d'eau, parce qu'il n'y a pas de route construite avec des caniveaux, il y aura toujours les moustiques. Et quand en journée tu n'es pas dans le moustique, tu vas vivre dans le moustiquaire. En journée, tu es assis dans ta coin, tu n'épluches ton macabre, le moustique te pique et il te transmet la maladie propre.
maman assise au marché en train de vendre. Il y a les tasses, les ordures ici, les caniveaux par là-bas. Les moustiques viennent les piquer, tombent malades. Même toi qui es allé au marché. Parfois tu es en train de marcher, un moustique se colle sur toi. Les moustiques du Cameroun sont trop forts. Ils se collent sur toi, tu marches n'importe comment, ils les collent sur toi, ils te sucent et ils te transmettent le truc propre. Tu vas dire que tu allais vivre, tu vas aller t'emballer avec le moustiquaire. Je vous dis que le moustiquaire n'est jamais la solution de lutte contre le paludisme. Non! Ailleurs, ça peut se faire. Parce que tu ne vas pas avoir les rétentions d'eau. On se masque, ok, c'est la nuit que tu es couché chez toi. Dehors, là, ils ne se baladent pas n'importe comment. Peut-être qu'ils sont cachés dans la maison. Mais chez nous, on te donne le moustiquaire. Tu vas emballer ça sur toi pour marcher. En plein marché, le moustique te mord. Il te mord, il te transmet la maladie. Camerounais. Le sentiment qu'on a envers vous, c'est un sentiment d'amour dépassé. C'est-à-dire, ça dépasse tout. Pourquoi on vient de mettre nos vies en péril sur les réseaux? Vous savez bien que quand ça sort sur Facebook, on parle là, nos vies sont en danger. Pas où nous sommes, mais au Cameroun surtout. Nos vies sont en danger. Aujourd'hui, ni moi, ni les autres, tous ceux qui s'assiedent sur la toile pour parler par rapport, pour dénoncer, ne peuvent pas entrer au pays. Vous savez quel est leur sort. Mais quand on s'assoit là pour parler, vous pensez qu'on est là pour s'amuser avec vous parce qu'on n'a rien à faire. Le temps que je suis assise là en train de faire avec vous là, je serai en train de me faire beaucoup d'argent. Vous comprenez? Mais j'ai vu ce matin, hein, un office neuf. La diaspora a fait sa part. Camerounais. Il est temps de faire pour vous, peuple camerounais. Personne ne va faire pour vous. Personne ne va faire pour vous. Arrêtez de souhaiter bonne fête de ceci, bonne fête de ça. Il y a zéro fête. Zéro fête. Dans quelques jours, les musiciens vont sortir. Ils vont faire de la musique. Vous ne fêtez zéro fête. Dans quelle misère? Vous, on vous donne vos droits d'auteur comme vous le méritez. On vous gère comme vous méritez. Alors que vous mourrez de simples diabètes soignables. Demain, vous allez fêter, non, la fête de la musique dans quelques jours. Sans aucune réclamation. Et même si vous réclamez, on bafoue ça du pied comme ça, on vous donne petit 25 000, va prester là-bas. Tu bats, tu prêtes, tu es tranquille. Really? Après, vous allez vous dire, oh vraiment, les Nigériens sont bien, hein? Les musiciens musicales ivoiriennes sont bien, hein? Les Ivoiriens chez eux les traitent bien, hein? Les Camerounais, les artistes camerounais souffrent, hein? Vous n'allez pas souffrir. C'est vous la cause de votre souffrance. Votre silence face à l'injustice du peuple que vous représentez vous cale. Si tu es silencieux, toi artiste, toi athlète, quand ton peuple souffre, ne pleure pas quand tu n'obtiens pas ce que tu veux du gouvernement. Parce que comme tu les laisses, toi aussi tu es lésé. Comme tu les laisses, toi aussi tu es lésé. C'est comme on dit que la chenille du rafia, en mangeant ses fesses, croyait qu'il était en train de ronger la chair tendre de rafia. Vous êtes exactement ça. C'est exactement comme ça avec le Camerounais. Il se retourne là, il trouve un endroit où il peut s'agripper pour manger un peu. Il mange, croit qu'il est en train de. Alors que celui-là qui est assis, qui l'a mis où il est en train de le manipuler, il a retourné ses propres fesses lui donner. C'est ça qu'il est en train de manger comme ça. Il se retourne après qu'il a mis la blessure, une grosse blessure sur sa fesse. C'est comme ça que le Camerounais. Arrêtez, Serge Jeune. Arrêtez de dire, oh le temps de Dieu, oh le ceci de cela. Tu es le maître de ton destin, mon frère. Si tu as le moral bas, si tu penses lentement, la vie avance, le monde avance. Et quand tout se passe, tu regardes. Victoire, salut, tu dis qu'on doit les laisser souffrir. Je ne sais pas si c'est ça la solution. Mais j'ai comme l'impression que quand on dit qu'on va les laisser souffrir, non. Ils vont transformer le pays là en chapalo, en chapalodrome. Parce qu'on sait que quand ils sont en mode alcool, ils sont tranquilles, ils boivent, ils saoulent, ils dorment. Décembre. Oh, tu vas être la voisine de Napoléon. Oh, tu vas aller là-bas, hein. Ok. Moi-même, si je n'avais pas, tu sais quelle est ma situation, si ce n'était pas ça, je serais descendue là-bas pour voir ce qui va se passer. Mais là, en ce moment-là, je ne peux pas. Tu sais. Comme on dit là, il y a des responsabilités qu'il faut souvent gérer. Et du coup, je dis que Camerounais,
on va transformer notre pays en chapalodrome. Les brasseries vont transformer notre pays en chapalodrome. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois qu'on vous annonce que dans ces produits brassicoles, on met des ingrédients dedans qui rendent le peuple addict. Et ça, ça ne se cache pas. Dites-moi en vrai, mes chers frères et sœurs, quand vous prenez un verre d'alcool, un verre de bière, le whisky encore ça passe, le vin rouge ça passe. Quand vous prenez un verre de bière, vous buvez là. Ça vous mord comme ça là, pourquoi? Dites-moi un peu. Moi j'aime boire. J'aime boire quand je vous ai déjà dit, quand je fais un événement, je bois. Hein, beaucoup même. Mais les bières, bon, je ne suis pas habituée aux bières. Encore la Guinness, oui. Quand vous buvez là, on sait que l'être humain aime le sucré. En général, ces bières sont amères. Mais dites-moi, qu'est-ce qui rend nos parents depuis des années addicts à ces boissons? Qu'est-ce qui les rend addicts? C'est un luxe? C'est quoi? Posez-vous parfois la question, qu'est-ce qui nous attire vraiment dans cette histoire? C'est sucré, c'est salé, c'est comment? En plus, parfois tu bois même, ça t'étouffe, même l'odeur de ça, de fermenter là, ça t'étouffe. Les gens boivent, ils vomissent, ils boivent. Les gens boivent, ils font même les accidents le lendemain, ils boivent toujours. Qu'est-ce qui les rend addicts à ça? J'ai fait un direct ici dernièrement où je vous parlais du plomb de ces gens sur la population du monde. Comment ils devaient accélérer les processus de vieillissement et d'aliénation. Je vous ai donné ça en détail dans ce direct ce jour. Apparemment, c'est entré ici comme d'habitude, c'est sorti là-bas. Le plan d'aliénation propre et de vieillissement accéléré. Vous n'avez pas compris? Vous vous rendez compte que ces gens qui vous créent ces produits, que ce soit brassicole ou quoi que ce soit, mangent healthy chez eux? Ils vivent, ils mangent healthy. Leurs propres produits là, ils n'en prennent pas. Continuez à prier, chers peuples camerounais, chers populations du monde, contre ces gens-là qui ont des plans diaboliques contre l'humanité. Vous allez voir, ils vont descendre. Quand vous avez vu Bill est en train de descendre, priez, invoquez vos ancêtres contre eux. Parce que sinon, à un certain moment, on va se dire, waouh, donc c'est à ça que le monde devait arriver. Et pourtant, et on verra qu'on pouvait faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on restait là dans l'ignorance. Cher peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le combat de sauver l'humanité est entre nos mains. Peuple camerounais, arrêtez de fêter. Vous n'êtes pas dans le statut des fêtards. Un fêtard, c'est quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui fait. Doit être libre dans son esprit. Doit avoir ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Là, tu fais, tu es tranquille. Mais si tu fais avec des problèmes à côté, si tu sors fêter et tu rentres en rentrant, on a coupé la lumière, mon ami. Tu sécrètes en toi, quand tu te rends compte qu'on a encore coupé la lumière, tu es nerveux. Tu sécrètes en toi des mauvaises substances qui vont te tuer demain. Camerounais, sous vos yeux, il y a des peuples qui fait 30 ans, 50 ans sans couper l'électricité. Ça ne te dit rien, mon frère. Cher peuple camerounais, autour de toi, on te dit que pour couper l'eau dans une ville ou dans un quartier, on annonce une semaine avant. Parfois, même on organise des campagnes de distribution d'eau pour que vous ayez assez d'eau. Parce qu'on va vous couper l'eau une heure de temps. Parce qu'on va vous couper l'eau une heure de temps. On vous avertit une semaine avant. Que mardi prochain, hein, il y aura coupure d'eau dans telle zone pour deux heures de temps. On vous avertit. Chez nous, nos robinets sont secs pendant 6 mois. Et les factures viennent. Et vous, parents, vous payez. Sous les yeux de vos enfants. Vous n'avez pas pitié d'eux. Vous n'avez pas pitié d'eux. Je suis fatiguée de parler. Hein. Je suis fatiguée de parler depuis un certain temps là. Je copie. Quand Facebook m'envoie souvenir de l'année dernière, je copie, je balance. Et vous allez constater une chose.
Camerounais. Allez dans les murs des combattants qui sont là depuis des années, ou bien même récents. Mais vous allez vous rendre compte que plus le temps avance, plus Facebook fait des restrictions. Parce qu'ils sont aussi dans le plan d'aliénation et de musellement. Ils sont prêts à vous faire taire pourvu que vous ne nuisez pas à ceux-là qui vous font du mal. Pour eux, c'est ça. Vous allez voir, avant moi, je faisais des directs où je jouais les chansons. Je jouais, je cherche n'importe quelle chanson, là, peut-être une chanson de combat, je balance. Et on ne me signalait jamais qu'on va muter ton live. Eux-mêmes, ils envoient ça, ils m'envoient ça en souvenir. Et je publie, et ça ne fait rien. Mais de nos jours, ou bien des lives dans lesquels tu disais des choses comme il faut le dire, sans éviter certains mots, et on ne faisait rien. De nos jours, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, le plan est mondial, le plan d'aliénation, le plan de musellement, le plan est mondial. Et si déjà à notre niveau, nous n'avons pas pu lutter pour nos besoins élémentaires camerounais. Camerounais, tu ne parviens pas à lutter pour tes besoins élémentaires. Allez-vous tous chercher la pyramide de Maslow. Tout à l'heure, je vais aller chercher ça. Je vais aller Google une pyramide de Maslow. Je ne suis pas à la maison. Je vais filmer ça dans l'un de mes livres. Je vous balance ça sur la toile. Pour vous montrer les besoins de l'être humain. On n'est même pas à la première case. C'est-à-dire les besoins élémentaires. Manger, chier, s'habiller, se laver, se vêtir. On n'a pas. On n'a pas dans un monde qui court. Dans un monde où nous utilisons Internet, nos enfants utilisent aussi. Vous êtes inquiétés de voir vos enfants afficher certaines attitudes? Non, ne vous inquiétez pas de les voir afficher ces attitudes. Ces enfants-là sont comme ça à cause de nous. Parce que l'enfant est sur Internet. Il voit comment, à côté de lui ou bien dans un autre pays, un enfant de son âge assis, il a ça, il peut avoir ça, il n'a pas, il peut même réclamer, il dit aux parents, je n'ai pas de quoi manger, le frigo est vide et on prend charge et tout et tout. Toi, tu as donné le téléphone à ton enfant, il a Internet. Il voit tout ça et tu ne peux rien lui donner de ça. Il va devenir délinquant. Vous vous inquiétez, vous vous étonnez de voir vos enfants afficher ces attitudes. Non, ils sont ouverts au monde par Internet. Et du coup, ce qu'ils voient, vous ne pouvez pas les empêcher de voir. C'est vous qui avez mis le téléphone entre leurs mains. Et quand vous les voyez poser des actes, vous montrez comment vous êtes inquiet. Vous dites que vous êtes dépassé, vous ne savez pas où l'enfant a pris le comportement, lui. Assa a sorti la chanson, il y a-t-il peut-être 7 ans. We're responsible for what we teach our children. Qui est responsable de ce que nous enseignons à nos enfants? Est-ce Internet ou les stars de télévision? Et c'est la même question que je vais vous poser aujourd'hui. Chers Camerounais, qui est responsable de l'éducation de vos enfants? Internet ou les stars de télévision? Vous allez voir, vos enfants ne vivent que sur les modèles de vos stars. N'est-ce pas? Entre-temps, vous ne vous êtes même pas battu pour qu'ils aient de quoi manger. Je vous ai dit dernièrement dans un direct. J'ai même dit ça peut-être 2-3 fois dans 3 directs comme ça. Là, je vous ai dit. Battez-vous, chers parents, que vos filles sachent qu'on peut préparer le riz parfumé chez eux. Battez-vous pour avoir un salaire confortable qui vous permettrait d'acheter le riz parfumé dans vos maisons. Que vos filles ne puissent vendre leur corps pour avoir un plat de riz parfumé dans un restaurant ou dans un hôtel. Yeah. Que vos filles puissent avoir le riz parfumé à la maison pour qu'un homme ne les achète pas leur corps, ne gâte pas leur corps à cause d'un plat de riz parfumé. Yeah. Vos filles sont devenues des vendeuses de corps, d'amour. Si je peux appeler ça amour, même ceux qui achètent là sont des malades mentaux. C'est pour ça que je me pose la question de savoir quelle est la société qu'on construit là. Une société où un homme sort l'argent pour acheter une femme pour aller coucher avec. Et tu vas dire que c'est l'amour que tu cherches. Une société où un homme cherche une femme, il paye pour aller coucher avec. Donc vous êtes incapables de nos jours d'être galants, des hommes galants, des vrais hommes. Draguer une fille, être près d'elle. Savoir la toucher, la marquer, la prendre pour vous. Il vous faut aller chercher les commerçantes de sexe pour pouvoir assouvir vos besoins. Mais attendez, quelle est cette société? Mais ça, c'est une honte. Mais c'est une honte totale. Mes chers frères et sœurs, vous cherchez, vous voulez même quoi, même finalement, mais... Cette fille-là sont des ignorantes, hein. Tout ce qu'ils savent, c'est que la société les a amenés à savoir que okay, tu peux vendre ton corps pour l'argent. Le métier de prostitution, c'est un des métiers les plus vieux du monde, c'est vrai. C'est un choix. Mais de nos jours, chez nous, là, ce n'est pas le choix. Hein. Vos filles vendent le corps là parce qu'elles ont faim. Hein. Parce qu'elles ont faim. Mes chers frères camerounais,
bonne fête de l'unité. Bonne fête de quoi que ce soit, Camerounais, ne me souhaitez plus bonne fête. Je vous dis, je ne veux plus bonne fête où je suis. Tant que ce pays n'est pas uni, tant que le Cameroun ne sort pas, je ne veux plus de bonnes fêtes dans mon barrage. Je ne veux plus, j'ai assez de fêtes que je fais ici. Donc laissez-moi les histoires de bonnes fêtes concernant mon pays, il n'y en a pas. Vous ne fêtez rien, zéro, et vous n'allez rien fêter. Tant que dans le nozo, les âmes crépitent. Tant que les bombes artisanales explosent les camions avec vos frères dedans. Vous voyez même sur les vidéos qu'on nous envoie les photos. Ça émiette. Tu vois un gars en tenue qu'on a émietté son corps comme ça, les morceaux de tissu et la peau jetés partout. Vous fêtez la fête de l'unité. Pardon, hein. Portez-vous bien, hein. Passez une bonne journée, hein. Je dois aller travailler. Bye.